Bonsoir à tous et bienvenue au podcast de l'Empire du Québec, épisode numéro 34. Aujourd'hui, les reliques, la suite, on va vous montrer nos testings qu'on a faits ainsi que plusieurs clips provenant de Superbe et Sablanche et de Dro. Comment ça va, les amis, Superbe Sablanche? Bien Ça toi? va? Ça va. Je suis content de parler des reliques. Je suis content. Moi, mon Grievous est rendu relique 7. Le feu dans les Ah. yeux. J'ai volé les lightsabers, les sabres laser à tout le monde. Ils sont les miens maintenant. Fait que, ouais, on va continuer de parler de ça. On va voir Parler ses stats. de. Ouais, on va montrer les stats, absolument. Les stats régulières. Ensuite, on ira voir pour la relique. Je suis vraiment content de l'investissement. Pour vrai, j'ai free to play, là. Ça a juste pris un peu de temps. Mon seul et unique problème, je dirais, c'est l'énergie de Cantina, là, qui fait en sorte que. Ça prend au moins trois rafraîchissements par jour à 100 d'énergie. Puis moi, comme vous savez, avec mon rang d'arène vraiment remarquable, je ne peux me permettre de faire mes trois refresh à tous les jours. Donc ça avance lentement mais sûrement, mais je suis content. Pour vrai, au début, je trouvais ça vraiment intense, les reliques, mais je me suis rendu compte que c'est pas si pire. Mettons, pour monter de 6 à 7, t'sais, même 5 à 6, ça prend beaucoup de matériaux qui sont de haut niveau, mais me suis rendu compte que t'as comme juste à faire un sacrifice, admettons, de un item, à peu près, ça revient à ça, puis tu peux avoir assez de matériaux En pour fait, le aller de plus l'avant. difficile, c'est si tes personnages sont pas déjà Gear 13. Si tu en Ouais. as que tu veux mettre Gear 13 et ensuite mettre des reliques, ça prend beaucoup. Mais si tu en as ou qu'il manque quelques Gear 12, mais s'ils sont déjà Gear 13, l'investissement est quand même facile. Ouais, quand même, pour vrai, Fait ben. que pour toi qui avais Grievous déjà Gear 13, ben, c'était quand même pas beaucoup plus facile, là. Ouais, puis là, je suis sur le code B1. Beaucoup de gens se posent la question, le B1, est-ce que ça vaut la peine, Gear 13? Moi, oui, absolument, parce que il assiste tout le temps, et puis le Gear 13, et surtout les reliques, amènent tellement de dommages. Il y a juste une chose que je trouve un peu niaiseux, c'est la santé ici. On peut voir 4122 de santé de plus. Là, on tombe à 6876 de santé. Mais ça fait aucun sens parce qu'il va toujours avoir un de vie. Mais il n'y a aucune compensation pour ça. Donc ça, je trouve ça un peu plate que CJ est comme pas. Tu sais, au pire, agit. C'est parce que c'est juste dans le format, comment le format marche. Dans le fond, ils n'ont pas le choix de donner de la santé. Mais tu sais, au pire, donnez-y pas de santé, pas de. Puis je sais pas d'armure, mettons, puis plus de dégâts spéciaux. Mais bon, ça fait quand même bon le boulot. On peut voir quand même de niveau 2 à 3, on passe de 508 de dégâts spéciaux à 854. Les dégâts de C'est la même chose pour Grievous. 260 à 390. C'est Ouais. la T'as même chose raison. pour Grievous. Grievous, il augmente d'attaque au bout. Ça Donne sert rien. absolument à rien. Quand tu voudrais juste un méga boost de santé, puis. Ben, il l'a déjà, là. Oh, il y a déjà un C'est très bon boost de santé, là. C'est dans les passé 15 000, probablement me semble. que 13 ou c'était trop 17 000. compliqué pour eux commencer Oh, ouais, à c'est ça. tout monter les stats. Fait que, d'après moi, ils ont juste dit go. Tout le monde va monter toutes ses stats puis that's it, là. Ouais, beaucoup plus facile à coder aussi, là. Je suppose que c'est vraiment ça à la base. Hein. Qui Je pense était. pas que B1 est, mettons, un incontournable en Non. termes de montée en relique, sauf que je pense que ça pourrait rendre l'équipe Grievous encore plus dévastatrice. Mais c'est pas un incontournable, Non, c'est pas un selon moi. incontournable. Moi, je monte pas ça jusqu'au 7 non plus, là. Je pense bien arrêter ça à 4-5. 4-5, oui, là. C'est ça. Je vais voir un peu que ça donne comme bonus. Ça a l'air d'être tout le temps 130 de dégâts de plus, là, mais. Ouais, d'après moi, au prochain, je devrais stopper ça là parce que. Ça va quoi maintenant, tes statistiques? Ah, il a devenu pas mal. 7892. Comment ça est acceptable? Ouais, Ouais. c'est ce qu'on peut dire que. Même la protection. Oui. Ouh. Non, c'est bien, mais moi, il est vraiment super axé sur l'offense, mon V1. Probablement, ce que tu pourrais faire, c'est peut-être sacrifier un petit peu d'attaque pour augmenter ta vitesse. Je pense que ça pourrait être bénéfique aussi, là. Mais Ouais, sinon, tu peux le laisser j'ai comme quand même côté. un minimum de vitesse dessus, là, mais c'est pas à tout Hey, casser, là. Mon Lobot Lobo! achève. Ça s'en Oui! vient. J'ai assez hâte de le Ah. terminer, là. Oh! Il m'en manque T'es 7 où, là, en shards. arène? Pardon, en arena? En Grand Arena? Oh, 81 en arène, parce que regarde, j'utilise le team de Grievous, mais il est pas terminé. Je m'essaie quand même, puis on voit qu'est-ce que ça donne, là. Je tombe un peu, mais
Au moins, j'ai du fun à faire mes. J'ai du plaisir à faire mes combats d'arène, donc c'est déjà un bon C'est début. vrai. On va le voir un peu plus tard, là, mais moi, j'utilise Palmé maintenant, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à la place de Dark Raven en arène. Ouais, puis les équipes Panmé, ça dure pas longtemps les combats, là. Est-ce que j'ai pu remarquer, là, c'est un peu comme le Grievous, l'équipe de Grievous aussi, là, ça dure pas longtemps les combats, c'est vraiment gros dommage vraiment vite. Puis c'est ça Peux qu'on aime. quasiment faire un gif avec tu peux quasiment faire un gif avec le combat complet. Ouais. Oui, pour vrai, si. Surtout Grievous. Padmé, ça prend au moins une Ouais. minute et demie, 2 minutes, là, mais. Ah, Grievous, ça peut être. 5 secondes, 10 Ben, secondes. c'est pas long, là. C'est vraiment pas long. 10. Donc, on va commencer nos petites vidéos qu'on a ici. Voulez-vous commencer? On va commencer avec Dro. Je sais pas pourquoi, parce que Oui. Dro nous a envoyé, j'ai demandé aujourd'hui, j'ai supplié notre ami Dro de nous envoyer du contenu parce que Dro est vraiment un amateur de Shakti et des clones et puis il a mis de quelques reliques sur ses clones. Et puis, méchante belle surprise en HAAT, on va finir avec ça, mais on va commencer avec son équipe de Shakti et les clones contre General Grievous, qui est une grosse équipe. On voit cette équipe-là partout de nos jours. C'est assez intense en Territory War, Grande Arène, attaque comme défense. C'est vraiment un MVP comme équipe. Donc, de savoir que cette équipe-là peut être un bon counter, c'est très bon pour le futur parce que c'est une équipe que tout le monde va s'aligner dessus. Donc, on voit que ça décime quand même assez solide l'équipe là. J'ai commencé à monter mes clones quand même bien. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je ne sais pas comment les utiliser en fait. C'est ça le problème. Il va falloir que je joue un peu plus avec, là. Mais ce n'est pas une équipe instinctivement que je sais comment bien jouer. C'est un bon point que Dro a fait Demandez à Dro. d'aller tuer le B1 tout de suite. Parce que Grievous aurait été trop tanky pour passer au travers d'un coup. Et puis Grievous aurait sûrement fait un méga coup. Tandis que là, tu te débarrasses de toute la régénération de protection, de vie, de toutes les assists que le B1 va procurer. Donc pour le futur du combat, je pense que c'était le bon choix que Dro a fait à ce moment-là. Quand même un combat de 1 minute 30 à peu près environ, là. Shakti est un peu plus résistante que ce que j'aurais cru. Ah mon dieu. Ça devait être Rex, hein, qui a fait une grosse blague dans le même. Exactement. Donc, vous pouvez voir que, comme ici, que Shakti et les clones, pour le futur, ça va être très bon, très viable, surtout contre des grosses équipes, là. Oui. Ouais, comme Dro dit dans le chat, ils s'amusent avec Shakti, mais les adversaires aussi aiment bien l'affronter, là. C'est clair, net et précis. Quand t'as une équipe comme ça qui sort de l'ordinaire, mais dans le fond, qui n'est pas très utilisée T'organises pour tuer. en arène, tout le monde s'essaye contre, là. Tout le monde a le goût de l'essayer aussi, tu Ben, sais. c'est pas rien que ça. Ben, en plus, tu focuses sur Five, tu Five en premier, puis. Et C'est voilà. surtout, c'est plaisant aussi pour les joueurs d'affronter de nouvelles équipes. Parce qu'à un moment donné, on se lasse un petit peu des Dark Raven Malak. Fait que d'affronter quelque chose de nouveau, c'est Pas, agréable en oui, arrêt. vraiment. Je trouve que c'est vraiment le point vraiment numéro un des reliques. Que ça ramène un peu de diversité en arène puis dans tous les modes de jeu. Là, on est au début des reliques, mais dans 2 mois, ça va être vraiment différent. Puis voir des équipes que, en ce moment, on n'a aucune idée qui marchent super bien ensemble avec une belle synergie. C'est juste qu'il n'y a pas eu de testing encore. Tout à fait. On va continuer avec le petit clip du AAT. Je pense que ça dure même pas 3 minutes, puis on voit le potentiel des clones en AT. Il fait comme au-dessus de 30%, mais j'ai pausé le vidéo à un certain moment où est-ce qu'on peut voir l'attaque AOE de Echo. Puis on peut voir que le dégât est assez monstrueux, là. C'est impressionnant. Qui aurait cru, comme tu disais, superbe tantôt, qui aurait cru qu'Echo un jour pourrait faire aussi mal sur son AOE? Ça n'a aucun bon sens, là. Et ça, c'est comme qui aurait cru que les géos deviendraient bons. Je pense que c'est un petit peu dans la Ouais, même veine. mais je pense pas me tromper en disant que les clones, c'est un niveau supérieur encore. Ça se peut bien. Ah oui. Les clones sont faciles à tuer. Comparativement aux clones, aux géos, tu parles? Ah, aux géos, je Oh, veux dire, ouais, les géonosiens sont faciles à tuer. oui, vraiment, les clones ont plus de résistance, puis ils ont un certain dommage que les géos amènent pas. Là. Surtout Ouais, Rex, exact. là, puis en plus, quand tu amènes un Ah, AOE comme en ça, là. hâte sont pas. En phase 4, ils peuvent se louer la phase 4 là, facilement. Là. Mais les autres phases, c'est plus difficile. Ouais, mais là, c'était vraiment plus pour montrer Ouais.
la possibilité que Echo faisait vraiment beaucoup de dommages avec son OE parce que le Ouais. AAT, d'après moi, d'ici Noël, on pourra faire Sim. Ça va être réglé. J'espère. Probablement. Je trouve déjà beaucoup de monde courageux encore quand je vois les points dans notre guilde. Voir le monde faire autant de points encore. Je fais, mon Dieu, vous êtes courageux. Ça prend quand même au moins une demi-heure, 15 minutes, une demi-heure minimum, là. Mon Oh, Dieu, vous vraiment. êtes courageux Bon, de commencer à regardez-moi passer du temps là-dessus. ça. Hey, C'est joli. 100 000 et plus sur tout le monde. Ouais. J'ai commencé Le à heal faire, qui se c'était donnait à lui-même, c'était fou. en phase 2 du hat, je fous mon équipe Grievous sur auto, puis de phase 2, puis ensuite, ben, j'arrête parce que j'ai mes vaisseaux à aller faire. Ouais. Pour mon arène, fait que. Gros merci à Dro pour le clip. Ouais. Vraiment, on pourrait aller jeter un petit coup d'œil justement au clone à Dro, là, tant qu'à avoir vu deux vidéos là, pour donner un aperçu aux gens. J'espère qu'ils sont bien modés. Ils sont pas Oh bien longs là. là, On monte, monte, monte. monte. Il y a Une pas, ok. chance que vous êtes là pour me rattraper tout le temps comme Toujours. ça. Regardez-moi ça, la beauté. Shakti Relic 7. Et monte. Ça, je crois par exemple que c'était une Shakti Relic 6, mais quand même. 232e, on voit que Oh. t'es une petite proie, Dro, ici. Mais le jour qu'il va avoir un Anakin bien Il monté, manque. ça va être plus Pour cette facile. équipe, ouais, pour cette équipe-là, il manque la pièce maîtresse, là. Fait que c'est sûr que. C'est Quand même, Anakin, là. rapide. Oh, Ah, Anakin, Anakin, on. c'est une bête incroyable. On va en reparler, là. Je l'aime assez, là. Ça Ah, moi blanche, aussi. c'est son nouveau Zalbar. Pour ceux qui écoutent le podcast Ouais. depuis un bon bout, là. Zalbar, il est où? C'est qui ça, Zalbar? Connais pas. Ouais, 5, ah oui, c'est vrai. Je lui ai montré ses statistiques de base parce que ça, avec ses dégâts, parce qu'oubliez pas que quand il va mourir, si il meurt par quelqu'un d'autre qui est tué, un autre clone qui est tué, tout ça, ça s'en va aux autres clones. Donc, très important. Toutes ces statistiques sont transférées aux joueurs qui viennent de mourir. C'est pas mal une des priorités. D'avoir Sais, 5 tout le qui monde retravaillent. dit de focusser sur 5 en premier, sauf qu'il est quand même difficile à tuer. Fait que c'est ça qui rend l'équipe intéressante. Oui, exact. Sont très bien modés, les clones à Dro. Vraiment, Oui. du bon boulot. Félicitations. Parfait. Ben, en Continue arène, tu sais, ça. en Ça arène. aurait été embêtant qu'il y ait une team, tu sais, Dro, il s'est modé, là. Fait que ça aurait été un peu surprenant que sa team d'arène soit modée tout croche. Tu voudrais pas voir monter 3 M4 que j'ai en arène présentement. On va continuer. Toi, Mais sa vitesse superbe. est importante, mais pas. Vas-y, non. Quoi? Sa vitesse est importante, mais pas cruciale. C'est l'ordre d'attaque qui est plus important que d'autres choses. Je veux dire, t'as pas besoin d'avoir des vitesses de 300 sur tes 3M4, là. Pas du tout. Non, vraiment pas. C'est BB-8 qu'il faut que ce soit rapide, là. Évidemment. Oui, évidemment, ça c'est clair. Mais la plupart des gens qui ont eu puis qui ont roulé un team résistance, je connais pas beaucoup de Bon, gens qui ont BB-8 encore, là. dépecé BB-8 à grandeur. Tu sais, comme on enlève Non. tout Ouais, c'est ici et ça, là, là quand non. on reçoit un nouveau personnage ou qu'on vient de finir cette étoile, un Oui. personnage qui est vraiment important. Tu sais, on enlève tout ici et là un module de Oui, vitesse à exact. lui. Mais BB-8, moi, en tout cas, dans mon cas. J'ai enlevé des modules, mettons, ici et là. T'sais, au début, il était vraiment rapide, mon BB-8, ça n'avait aucun bon sens. Mais tu sais, j'ai comme enlevé un plus 18 pour mettre un plus 14. C'est des trucs du genre, tu sais, C'est j'ai pas ça, enlevé moi toute sa aussi. vitesse complètement. Donc, il reste relativement assez rapide. Et puis, il y a quand même un Exact. boost de vitesse qui est assez considérable là, dans l'équipe de. Vraiment. Dans l'équipe de. Avec un IG-88 lead, ouais. Pour parler de ça, La new IG-88 lead, team. on. Puis la nous, toi. On pourrait montrer tes clips, Sablanche, qu'est-ce que t'en penses? Ou vous voulez continuer Tu de parler veux-tu montrer d'Anakin celle ou. de Superbe en premier ou la mienne? Ok, on peut montrer Superbe. Vu que Mais. c'est HK47 lead. Avant chaque Superbe clip. Allons-y. Ouais, j'ai ça. J'ai le clip de Superbe ici. Superbe contre Dark Raven avec HK47 lead. Parle-nous de ça. Wow! J'ai Ouais, vu là, aujourd'hui sur Discord que tu as parlé de cette équipe-là. Tu voulais faire des tests?
Fait que dans le fond, c'est ça. Le but, c'est d'avoir le plus de debuff possible. On pourrait parler un Bon, peu du je vois que fonctionnement de T3, hein? mon équipe manque un peu de force. Le but, normalement, ça. Là, j'aurais dû essayer de tuer Bastila du premier coup. Là, je vais gagner un autre tour, dans le fond. En gros, cette équipe-là, le principe, c'est, vous avez vu, ça, c'est une équipe avec maraudeur. C'est pas nécessairement l'équipe la plus forte en défense, mais c'est le meilleur counter. C'est une victoire assurée contre, quasiment contre notre équipe Malak, avec maraudeur, parce qu'il fait beaucoup de dommages, plus que HK-47. Donc, si tu mets lui, tu peux le. D'ailleurs, c'est un bon personnage si tu veux avoir un bon counter aux autres équipes en mirror match. Tu mets Maraudeur, bref. Mais en fait, le principe, c'est que tu as BB-8 qui va tanker. Quand il a son Zeta, il va tanker ou les premiers coups. Puis tu veux avoir Imperial Probe Droid ou R2-D2. Le Probe Droid, il faudrait qu'idéalement, il soit Zeta aussi. Ensuite, tu vas avoir T3-M4. Son Z unique qui donne le 8% à chaque debuff d'attaque de plus. Puis l'autre qui est bon aussi quand même, qui donne 100% de pénétration de défense. Fait qu'avec les deux, juste avec le unique de Grievous, puis les deux de T3-M4, ça serait suffisant. Surtout si tu prends R2-D2 qui donne son boost à tout le monde. Puis BB-8 comme il y a un ordre à respecter. Moi, tu vois, c'est pas tout le monde que j'ai vu, il y a plusieurs dans mon arène, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes vitesses ou le même ordre de vitesse. Il y a plusieurs stratégies, mais en gros, la stratégie, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a un droïde qui meurt, ça booste de plus en plus Grievous, puis il est capable de tuer l'équipe, là. Mais j'ai vu que toi, évidemment, t'as pas le B1 de près. Mais crème, ça marche cette Non. équipe-là. Ton propre druide, toi, il est Zeta ou. Hey, montre-nous donc, ça ressemble à quoi la force de ton équipe? Des Gear 10, 11 et 12, ça ressemble à quoi? Ouais. Je vais aller voir ça sur son Ouais. compte. Dites-moi si je le passe. Je peux le mettre dans Office sinon, puis tu vas le trouver. Ah ouais, ça c'est bien vrai, Ah, tu l'as pas mis. hein. Je Non, l'aurais non, mis. non, je l'enlève, trop facile à battre. Ouais, je comprends. Quand même, Ah, les fait que deux c'est Zetas sont à toi. 3M4 Gear 11. Ouais, double Zeta. BB-8, là, je prenais pas R2-D2, mais je vais changer pour R2-D2. Puis j'ai essayé HK-47, vu que vous voyez, je ne l'utilise pas en arène. Fait que ça ne me dérangeait pas de faire des tests avec non plus, mais mon probe droid n'est pas très très élevé non plus. Fait que Non, vraiment c'est pas. pas. IG-88, ça en vient aussi. Je vais le mettre G12 sûrement. Puis T3-M4 aussi. Puis je vais sûrement, c'est ça. Je vais y aller avec Grievous BB-8, R2-D2, T3-M4, puis IG-88. Lead. Fait que c'est quand même bon. Mon Grievous, c'est. Tu sais, comme tu disais, tu sais, je l'ai pas. Tu sais, il a déjà été au-dessus de 300 de vitesse, BB-8, mais. Dans le temps. Mais ça, ça ne sert plus à rien. Non, c'est ça. Puis même plus de Il est en masse rapide, vitesse, il va avec tout le exact, monde. te servirait absolument à rien de l'avoir encore plus vite, Même là. à 283 de vitesse, il va plus vite, il va tout le temps en premier. Oui, à cause de, on va le rappeler ici, aux gens. C'est son unique, c'est-tu le protocole Non, Non, c'est je pas pense celui-là, c'est suivre c'est là. suivre le rythme, ouais. Non. Non plus. Oh, le deuxième Hey! transfert de données. Oui, probablement, oui. Parce que c'est ça qu'on fait en premier. Hey, ça fait longtemps La que jauge j'ai de pas. tour pour chaque allié, Ah, dans le mais non, fond, il tu. commence. Si tous les alliés druides sont actifs, ils utilisent la Ah, ça, c'est raillerie. la raillerie. Je continue à Oui. descendre. 25% de pouvoir. Lorsqu'un autre allié utilise une capacité spéciale, il obtient des données secrètes pendant 3 tours. Ça n'a pas rapport avec ça. Il y a quelque chose dans son kit qui fait qu'il va plus vite, là, qui donne un bonus, là, de vitesse. Lucide. Ben, on vous le dit, ça existe. Oui. Oh, ouais, ça existe, c'est sûr, à 100%, là. Oui. Je trouve juste ça ridicule, même qu'on le trouve pas, là. Oui. Au début de chaque affrontement, si BB-8 est actif, la jauge de tour des droïdes alliés se remplit de 8% pour chaque droïde allié. Dans le fond, j'étais sur le bon au début, c'est juste que. La manière. Oui. Fait que c'est ça, dans le Voilà. fond, vous avez. Ça fait 4 x 8.
Donc 32% de Ah, jauge tout le monde y auto va remplie, tout le monde vraiment va rapidement, là. rapidement, exactement, tout le Mon monde prend un équipe, il bain va, d'eau. pour vous donner, je pense que mon T3 M4 doit être à 215, 200, 220 speed peut-être, puis il va avant toute l'équipe. Ouais. 228, ouais. Ouais, t'as pas des modes incroyables. Ben, c'est pas méchant, là, Non, mais c'est pas des mais modes incroyables, fait que non, c'est bien. c'est pas des. C'est son kit à lui, là. Il dit J'ai je le prends toujours pas eu. mal, pas en tout. Mais Non, c'est quand non, même. il est pas modé à rien du tout, là. C'est quand même bien qu'ils soient avant leur équipe parce qu'il met quand même deux debuffs qui peuvent pas être résistés donc avec le Ouais, puis projecteur de ben oui. cabanette. Exact. Puis dans le fond, tu sais, c'est important aussi d'avoir beaucoup de potency. Ben, beaucoup, là. Sur lui. Celui-là qui est dans l'équipe, si vous utilisez Impérial Probe Droïde, ça va être le personnage qui est le plus important d'avoir de la potency dessus du pouvoir. Lui, j'en ai pas mis, il y en a beaucoup, mais c'est ça, de toute façon, les siens ne sont pas nécessairement résistables. Là. Fait que c'est pas. Lui, c'est vraiment la rapidité. T3M4, il faut qu'il soit rapide aussi, moins que BB-8, mais c'est impossible. Qu'il soit plus rapide que BB-8. Là. Il n'y a pas une très grosse vitesse. Vous voyez, avec 102 de bonus, il est juste à 228. Là. Avec 102 de bonus, BB-8 est presque à 300. Là. Ou Non, c'est auto, ça. mettons, à 280. C'est pas le même genre de C'est personnage. impossible de Mais c'est l'amener ça. à la vitesse de BB-8, Mais c'est vraiment lui, dans le fond, c'est lui la clé avec Grievous puis BB-8 pour l'équipe d'arène, pas pour l'équipe des droïdes classiques. Là. Sinon, c'est l'équipe avec Grievous Lee, puis celle-là que toi tu utilises plus, là, Oh. avec B1 puis tout ça. Là. Mais Magnavard. Mais pour l'arène, cette équipe-là, les droïdes séparatistes n'est pas efficace en arène. C'est vraiment cette team-là qui fonctionne. Non, l'équipe de droïdes séparatistes en arène, c'est même vraiment pas bon. C'est très facile à tuer, en fait. Ouais, vraiment. Là. Puis il y a beaucoup de. Tu sais, moi, j'ai remarqué là, depuis que j'ai mis mon équipe est pas super. Est pas bien modée encore. Puis tout, là, je l'ai juste mis pour me faire du plaisir. Puis je savais que j'étais pour redescendre un peu. Donc, j'étais pour pouvoir faire des combats un peu plus simples et non contre des équipes maxées. Là, parce que. Tu sais, même si. Si c'est une très bonne équipe, il y a des équipes des fois sont tellement bien modées, là, ça n'a juste aucun bon sens. Oui, je vais y aller en premier, mais moi je suis pas Sauf assez bien que modé. le pire dans tout ça, par contre, c'est que cette équipe-là qu'on vient de voir, si tu veux la battre, tu utilises Bastila. Tu utilises, dans le fond, l'équipe Jedi Knight Revan, sauf que tu interchanges le lead pour Bastila Jedi Stanley. Knight Revan aussi. Mais je veux dire, il y a plus de monde. On s'entend que ceux qui ont Jedi Knight Revan, en général, leur team est toute montée déjà. Là, j'ai 12. Padmé, il y a beaucoup de monde encore. Moi, j'en vois beaucoup qui n'ont pas leur team Padmé de très, très bien montée. Khafgar, montre-nous donc que Padmé peut battre Grievous. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans le vidéo que je t'ai envoyé. Ok, J'ai oui, envoyé un clip. absolument. Allons-y avec Sablanche et ses Padmé. et sa nouvelle troupe contre l'équipe Oui. justement qu'on vient de discuter. Donc, point à dire. Mon Anakin et Relic 6, une énorme différence. Ah oui. Comme tantôt on le disait, c'est comme le Khafgar des temps modernes. Pas le Khafgar. Le What? Salvor des temps modernes. Oups. Écoute, il est complètement génial. Pour moi, j'ai pas monté énormément de personnages avec des reliques. Donc, c'est pas mal juste Anakin que j'ai bien monté. Ouais. fait, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que Anakin, pour moi, c'est un des meilleurs personnages G13 et surtout un des meilleurs personnages avec des reliques. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tantôt, mais je pense que à privilégier, c'est vraiment les attaquants de chaque équipe. Puis le fait de monter Anakin G13 et de lui mettre des reliques, ça fait en sorte que vous battez de façon plus fréquente des Dark Revan Malak. Il y a comme une horde à respecter qui fait en sorte que ça devient quand même très facile. Et vous pouvez battre avec ça des équipes Grievous aussi, là. Juste pour pas que les gens se demandent à la fin, t'as pas fini le combat parce que tu voulais pas battre la personne. C'était pas. Exactement, parce que c'était bien son tour de finir. D'avoir son payout d'arène, fait que j'ai décidé de ne pas le tuer au complet. C'est fou comme Anakin est dévastateur. Oui, les attaquants, c'est vraiment à prioriser, Oh là. oui.
Tout à Ouais. fait. Ils ont tellement des bons boosts, ils deviennent tellement plus forts comparativement aux autres factions. Tu as un support, il va avoir un peu plus de vie, mais tu sais, c'est pas lui qui est le plus tanky, c'est pas lui qui. Oui, ça a aucun bon sens. Son EOI fait Ouais, tellement ben, mal à Anakin. avais-tu d'autres clips? Parce qu'après ça, dans le fond, si t'as pas d'autres clips, on pourrait commencer à en parler, là, de Ouais, j'ai le clip peut-être de Sop, sa Padmé nos. contre Ouais. Dark Le Revan Man Malak. Malak. Yeah. Sûr. Toujours le fun à regarder. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui est important? Je pense que le fait d'avoir. Padmé, General Grievous, voyons, j'ai de l'air à soi. Padmé, Anakin, non, c'est pas Anakin son nom. General Kenobi, merci. Avoir Exactement. Padmé, General Kenobi, puis Ahsoka, Gear 13, ça m'aide quand même, mais je pense que la clé, c'est vraiment d'avoir Anakin. Puis l'important, c'est d'avoir de tuer rapidement HK-47. Pour pas qu'il tue votre General Kenobi. Kenobi. Hey, j'ai de la misère. Grosse fin de semaine, C'est semble-t-il. incroyable. Grosse fin de semaine, oui. Fait que tant que General Kenobi reste en vie, les autres personnages ont de la misère à le tuer. Tandis qu'avec HK-47, ils peuvent le tuer d'un coup. Fait que si lui reste en vie, vous tuez HK-47, General Kenobi est en vie, normalement, vous devriez être capable de tuer l'équipe au complet. Question de Patrois dans C'est dur. le chat. Anakin, pourrait-tu être bon dans la team Jedi Knight Riven? En fait, Anakin est bon partout. Comme Zalbar, vous le mettez partout, il est bon. Encore Il est bon plus. partout. Oui, je l'ai vu dans plusieurs équipes. Je l'ai vu dans les équipes, en fait, Jedi Knight Revan remplacer Grandmaster Yoda. Certains le mettent à la place de Grandmaster Yoda et c'est une équipe qui bat facilement les teams Dark Revan Malak. Où est-ce que je l'ai vu aussi dans les équipes clones? Évidemment. Anakin, le seul problème de monter Anakin G13, c'est que ça devient un peu plus difficile pour Phase la 3. phase 3 parce que, ouais, parce que le fait d'avoir plus de pouvoir, ça fait en sorte que l'équipe résiste moins, donc il y a moins de jauge de tour qui est donnée aux Sœurs de la Nuit. Mais excepté ça, pour moi, Anakin, c'est un incontournable pour les gens qui montent une équipe Padmé ou qui montent une équipe Jedi Knight Revan, qui ont un peu de difficulté à battre des Dark Revan Malak. Pour moi, c'est un incontournable. Absolument. Clairement. Depuis C'est compliqué. l'Empire Sith, qui est vraiment la faction qui ne bénéficie pas de tous ces changements, là, on dirait que plus le temps avance, plus que les gens montent des équipes avec des reliques, moins que Dark Revan puis Malak deviennent des problèmes, là. Exact. C'est bon pour le Ça futur. diversifie. Ben, ça diversifie la méta, là. On On pourrait vient de continuer de voir jaser deux. d'Anakin, justement, ouais. Parce que en plus, un bon point qui est en le montant, c'est que vous allez monter aussi la puissance de son vaisseau. Puis avec les prochains JOTB qui s'en viennent, vous pouvez être sûr à 100% que ce Tu pourrais vaisseau-là risque d'être. regarder le tien G12. Regarde et combien son vaisseau comparativement au mien. Ouais, on pourrait vérifier Je pense ça. que ça devrait faire quand même une bonne différence. Quelqu'un va retenir ça, ce petit Ah, il est chip-là? 6 étoiles en plus, ouais. Ah ouais, ça marche pas là, mon affaire. Moi, il est pas 7 Non, étoiles. ça marche pas. Ben, regarde, Oh. un peu le mien est 4 étoiles. Va voir, regarde les stats du tien, puis va voir les stats du mien. Le mien, il est relique 4, mon Anakin. Voir si Ah, mais ça 4 s'équivaut. étoiles. OK. Mes 4 étoiles. 48 633, me semble. Chose de même. Anakin. Étoiles. 46 000. Oh! J'ai 3 étoiles de plus, ok. Il n'est pas Gear 13, mon Anakin, mais. Non. 4 étoiles. Ah oui, 3 étoiles de plus. Ouais. C'est fou pareil. Hein? Le tien est à combien de puissance? 48 633. J'ai juste, c'est ça, t'es juste en ayant 3 étoiles de moins, j'ai juste 2000 à cause qu'il relie 4. Puis je C'est fou là, pense, ce que ça moi, donne. que mon. Ah, c'est ça, moi en plus, mon renfort il est augmenté au maximum. Toi, il est au niveau 2. Donc, je pense Ça qu'on donne beaucoup de s'équivaut. points, ça. Ouais, c'est à peu près Ouais. l'équivalent d'un Zeta. Ouais. Surtout le dernier, là. Fait que, ouais, je pense que
Ton vaisseau est peut-être même un petit peu plus fort que le mien. Fait qu'on voit Fait que vraiment vous que. voyez là, la différence, les reliques, ça booste les vaisseaux de façon Mais je crois incroyable. que le personnage est comme pour 60% de la puissance, si ma mémoire est bonne. Du vaisseau. Ouais. Ouais, ça serait logique. Mais semble. Parce que, tu Ah, sais. je l'ai jamais su, moi. Ouais, mais semble c'est ça. J'avais vu une vidéo de Warrior dans le temps J'adore les qui. vaisseaux. Tu peux aller voir mon vaisseau. Vous allez voir, il y a une petite différence. Mmh. Je t'allais voir avant. Ça. Vraiment ou beaucoup là? Ouais, Voulais genre juger. 4, 75K de puissance, là. Voulais Mettons quelque chose juger. comme ça. 68 000, Caroline, quand Ouais, même. c'est ça. Ouais. C'est 22 000 de plus que moi, là, puis il manque juste une étoile, puis. Mais il relique 6, c'est ça. Ça augmente beaucoup la vitesse des vaisseaux. C'est fou. Si tu veux aller voir les Comment ça statistiques augmente la vitesse? d'Anakin, peut-être, juste le personnage. Oui, bien Oui. sûr. À Relixic, Tic. 6. Relique Reste à malade. 6. Fait que 55 000 de santé, 50 000 de protection quand même. Fait qu'il est quand même assez Oui. résistant. J'ai le maximum de dégâts critiques que je peux avoir. J'ai donné un petit boost en pouvoir. Puis malgré tout, j'ai réussi à avoir 7 000 de 7 200 dégâts minutes physiques de dégâts après. physiques, c'est excellent. Puis avec le pouvoir que tu as rajouté, Fait tu que mets j'ai une souvent les croix dégâts en fait physiques. de pouvoir et non d'attaque. Ouais. On l'avait déjà montré là, par le passé. Donc, Anakin, tête de Ça, c'est liste sûr que c'est pour un. priorité. Oui, Pour moi, dans c'est les mon bons. choix numéro un. Pour Numéro quelqu'un 2. qui monte une équipe Padmé ou qui utilise une équipe Jedi Knight Revan et qui veut battre plus facilement des Dark Revan Malak. Moi, je trouve que le plus logique à mettre en premier, puis tu sais, c'est Grievous. Je suis un peu d'accord, mais quand tu es parti sur Anakin, ben continue jusqu'à la fin. Oui, mais oui. Mais tu sais, comme premier relique à monter beaucoup, moi, ça serait Grievous. Ça transforme le personnage complètement, là, on le voit là. Anakin aussi, remarque, par exemple, c'est vrai. Anakin, Grievous, je pense que 5 pourrait rentrer là-dedans aussi. Oui. Comme quelqu'un qui se Vous pouvez demanderait. mettre un petit bémol. Oui. L'équipe Empire Sith, si vous montez Dark Revan, si vous montez Malak, si vous montez Vassila, ça ne va pas rendre votre équipe nécessairement. Ça va la rendre meilleure, mais pas. Oui. Avec cette équipe-là, c'est la vitesse. Et le fait de rajouter des reliques, ça ne rajoute pas de la vitesse, fait que ça ne C'est rend pas ça. nécessairement l'équipe indestructible. Non. Pour être Ce que honnête, vous. Ouais. Padmé, je suis capable d'en battre des Dark Malak 7 reliques. Oui, puis Qu'est-ce que tu vas ajouter, super? moi je perds contre des équipes moins fortes que moi. Mettons Malak Relique 1, tous Relique 1. Les miens, moi j'ai Revan, Malak, puis qui sont 3, puis Bastilochan 4. Puis juste parce qu'ils sont plus rapides que moi un petit peu, je me fais battre. Cette Mais le équipe-là. point que tu me disais, c'est jusqu'à 47, supposément, par contre, t'es vraiment excellent quand on monte Mais en. il peut one-shotter facilement Malak. Fait que c'est ça. T'sais, tandis que j'ai 12, il sera jamais capable de one-shotter Malak. Ça, c'est Mais vrai. j'ai 13 avec Relic, mettons 3, 4. C'est rendu facile de one-shotter Malak, même quand il est plein de vie. Fait que. Mais le problème souvent va être de l'amener à la base, au Gear 13, parce que la plupart des gens ont. Tu sais, moi, je représente bien, je pense, un line-up Empire Sith classique, si tu veux. Tu sais, comme Malak, Bastila, la plupart des gens ont Revan aussi, mais c'est rare que quelqu'un HK, Revan, Malak, puis Bastila, Gear 13. C'est un énorme investissement. C'est vraiment comme se mettre all-in sur cette Ben, équipe-là, puis. je sais pas. Moi, Moi, dans mon je le char, suis là-dedans. tout le monde les a. Je te suis là-dedans, Khavgar, parce que j'ai juste Malak et juste Bastila, Gear 13. Voilà. Ouais. Mais Ouais. Moi, c'est j'ai ça. C'est passé Malak, proche Bastila puis Revan. Mais Revan ne change pas d'aller grand-chose. avec HK, moi, dans le temps, mais là, quand Ouais. les reliques sont sorties, puis Grievous, Devenez comme pas compliqué. vraiment le choix, là, non, c'est ça, fait T'as fait que, tu sais, que. Empire Sith, là.
Si vous voulez les monter, là, montez ça à Relic 3. Relic 3, là, s'ils sont déjà G13, évidemment. Montez ça à 3. 3, c'est suffisant. C'est pas trop d'investissement. T'es pas encore rendu dans les gears pour fabriquer ta relique qui sont les plus tannantes. Fait que c'est sûr, tu peux y aller quand même relax, là, avec eux autres 3, ça, parce que c'est probablement l'équipe qui en bénéficie le moins dans les fortes, là. Ouais, Fait t'es comme. qu'Empire site. Moi, j'aimais mieux mettre, mettons, au début. Là, c'est sûr qu'ils sont juste relique 1, mais tu sais, j'aimerais mieux mettre mon Alpha puis mon Espion relique 3 avant mon Empire Site, parce que moi, je vois plus de retour sur l'investissement en m'assurant de. Ben, en m'assurant, je préfère des erreurs monumentales, mais ça Ouais. m'assure pratiquement à clé, Ouais, à comme coup moi. sûr, c'est ça exactement. Donc, moi, ça, pour moi, à mes yeux, c'est parce que je suis tanné de jouer de toute façon Dark Riven, puis. Tu sais, je comprends quelqu'un qui viendrait juste de débarrer Malak puis qui serait vraiment content de son investissement puis de tout le travail qu'il a fait. C'est sûr que c'est tentant de le monter Relic 7 parce que c'est quand même un personnage qui est dominant. Mais. Mais même à Relic 7, Grievous peut le one-shotter. Exactement, c'est ça qui arrive. Après ça, Rex pourrait le voyons. one-shotter aussi. Oui, c'est ça que c'est exactement. C'est lui que je cherchais. Rex peut le one-shotter. Anakin, presque pas le one-shotter, mais Ashka peut le one-shotter. T'sais, fait que même Relic 7, là. Fait Mais qu'à un moment Captain, donné, il y a pas. C'est pas oui. nécessairement le personnage le plus Et, wow tu à fais un monter. zoom sur les attaquants seulement. Oui, allons-y avec les Dans attaquants. personnages. Oui. C'est un peu là que vous allez avoir Les les meilleurs meilleurs. personnages à monter. Voilà. Concentrez-vous sur les attaquants. On vous a parlé de Grievous, qui est un attaquant, qui est un excellent choix. Anakin, qui est un excellent choix. HK-47. Maraudal. La Solo. seule. Maraudal. Non. Oui, Maraudeur est excellent. Grandmaster Yoda est un soutien. Mais entre nous, c'est un attaquant, Oui. tant qu'à moi. Ben oui. Grandmaster Ça a Yoda, ça longtemps serait un été le des gros DPS. soutiens. Ça serait un des soutiens qui mériterait vraiment d'être monté en relique parce qu'il fait des dommages de fou une fois Oui. qu'il est bien monté. Ah oui. Han Solo aussi peut être très bien parce que le fait qu'il frappe plus fort peut peut-être vous amener à battre des équipes que vous n'étiez pas capable de battre après. Pour moi, Enfys-Nes, c'est un très bon choix à Gear 13 Ah aussi, oui. avec des Vraiment. reliques parce qu'elle est monstrueuse, on va dire ça comme ça. À mettre en défense parce qu'elle est vraiment pas facile à C'est battre. sûr qu'elle va être utile dans les JOTB du côté lumineux, juste à cause de son Et... OOE qui fait la confusion, en tout cas Daze. Ça va être Ouais. pratique dans les phases, c'est sûr à 100%, parce qu'il risque d'avoir des Grievous justement avec des reliques puis des B1 Gear 13 là-dedans dans vos combats. Donc elle, vous empêchez tout le temps le B1 d'assister, là, c'est quand même assez énorme, là. Je pense que ça, c'est vraiment. Puis dites-vous, quand vous montez un personnage, moi, la raison pourquoi j'ai monté Anakin, c'est que je me suis dit, est-ce qu'en le montant de relique, je vais pouvoir battre une équipe que je n'étais pas encore capable de battre avant avec mon équipe Padmé? La réponse, c'est C'est oui, oui. je bats de façon plus régulière Dark Riven Malak, fait que pour moi, c'est un bon investissement. C'est vraiment Même chose pour Grievous. une bonne Dans le question à se chat, poser, ça. excusez, je vais vous couper dans le chat, c'est important là, pour pas qu'on dise ça trop loin. Draw nous fait dire que Rex fait pas de dégâts avec son spécial. Donc le dégât blanc, probablement, qu'il a en dessous, il le fait pas à Malak. Fait qu'il peut pas one-shotter Malak. Fait que pas qu'on dise n'importe quoi. Là. Fait que Rex peut pas one-shotter Malak. Voilà, c'est dit. Ben C'est c'est bon à fait. savoir parce que quelqu'un dit. Puis là, il y a deux classiques aussi, évidemment, Han Solo, Chewie, le duo. Tu fais un deux pour un encore là. Je ne l'ai pas vu nécessairement, Ben... mais je sais que le fait de les monter, je pense que CLS, avec une certaine combinaison d'équipes, pourrait battre Dark Riven Malak. Oui, Mais si tu as les trois vérifié, mais il me sont. semble que je l'ai vu. Ah oui, mais moi aussi je l'ai vu, je suis sûr, à quelque part. Mais tu sais, il faut que tu ailles essayer vraiment les trois là. CLS, Chewie puis Anne, tu montes les trois, mettons Relic 5, puis tu peux commencer à tuer des équipes Malak, pas nécessairement les meilleures, là, mais tu peux quand même commencer à avoir du plaisir, là. Ben c'est parce que si t'as Han Solo puis Chewie, les deux, Gear 13, Relic 7, c'est qu'au départ, quand tu vas décider qu'il t'attaque avec Han Solo, tu vas faire tellement mal, là. D'après moi, tu pourrais tuer quelqu'un en Ah, partant, là. Tu pourrais tuer HK quasiment en Ah, c'est partant, là. fou. Ah, c'est sûr. Donc Vraiment, ça. le point,
le point que j'apportais tantôt, c'est est-ce que votre personnage que vous montez en relique va faire en sorte que votre équipe est transformée? Si vous montez, par exemple, Sabine, rien contre Sabine, sauf que vous ne battrez pas de meilleure équipe avec vos Phoenix que qu'est-ce que vous battez présentement? Michonne Bao non plus. Non. Ah oh, non, non. Pas assez de. C'est presque ben, triste. Faut... Ah, oui, mais. Triste. J'ai failli la mettre G13 puis la monter. Mais je me suis dit là, ah, non. Ça, non, c'est t'sais... avant qu'ils disent que c'était la pire équipe. Non, non. Non, ouais, non, récemment. G13 n'était pas sorti encore. Non, non, récemment, là, cette semaine ou la semaine passée, je me suis dit, j'y vais-tu pour Mission Vow? Finalement, j'ai été allé pour Grievous. The Rift est dans les personnages qui gagnent le plus à être monté G13. Qui ça, pardon? Qui? J'ai ça coupé quand tu dis le mot. Kandarus Ordo. Kandarus Ordo, oui, ah ouais? C'est vrai. Ouais, c'est vrai, oui. j'ai vu des vidéos là-dessus, c'est vrai. C'est un personnage qui mérite énormément d'être monté, sauf que ça, c'est comme beaucoup d'investissement pour un personnage de cette trempe. Mais c'est, il est très bon, ce personnage-là. En fait, il est excellent. C'est qu'il est limité par une chose, ses factions. Ouais. C'est vaut rien, Ancienne République. Et si vous êtes vraiment limité à ça, et puis l'investissement sur un... les Vauriens, mettons, vous avez Nest, mais à part de ça, vous n'allez pas faire l'équipe du siècle. C'est probablement qui mériterait d'être mis avec une team Kira à la place. Kira, ouais, c'est ça, exact. Sauf qu'en même temps, qui t'enlève, parce que d'une team Kira, tu veux L3, exactement. Tu veux Chewie Vendor, tu veux Zalbar, puis tu veux Vao, qui t'enlève. Ah, puis Nest fait, aussi, c'est ça, mais qui? Tu pourrais avoir Kira, Chewie Vendor, Kandarus, L3, puis Nest, mettons. OK. Que tu vas battre une équipe vraiment meilleure grâce à ce combo-là, je pense pas. Je pense pas non plus. C'est pour ça qu'Andrus, ça serait pas mon choix, à moins qu'on réussisse à trouver une équipe qui fait en sorte qu'il brille plus. Ouais. Ah, drôle, il a donné la spécification, c'est que Malak est immunisé aux effets de dégâts de pourcentage de santé. Pourcentage de santé. Et voilà, ça fait... C'est pour ça que le drain, quand tu joues contre un autre Malak, t'espères qu'il fasse le drain, parce que c'est tout le temps un peu random quand même, là. L'intelligence artificielle, là. Quand il te fait des drain life à toi, tu sais, à Malax, quand il te fait des drain life, ça fait absolument rien. Exact. J'ai vu quelques Kylo Ren aussi de monter Gear 13. Ça doit être un personnage qui doit, surtout si tu as le Zeta qui récupère sa protection, si tu le joues en attaque et puis que tu contrôles tout le temps ça, il doit être très, 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 très dur à tuer. Là. J'ai pas vu dans nos Territory War, Harley. Oui. Il a monté Kylo Ren Unmasked avec Kylo Ren, je pense, 3 ou 4 reliques. Puis à chaque fois, il réussit à faire 2-3 défenses avec cette équipe-là en Territory War. Gens sont comme pas habitués à cette force-là. Ben oui, qui tu on prends, va le shout-out. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Qui tu prends. Harley en fait, qui a beaucoup de Gear 13. qui vous prendriez pour battre cette équipe-là? Je sais pas, mais le counter qu'on a habituellement doit pas être aussi bon, mettons. Padmé, ça c'est sûr. Padmé équivalente, mettons. Moi, mon équipe Padmé ou l'équipe Padmé à sa blanche, c'est bon, la mienne est beaucoup moins forte, mais j'aurais aucune crainte de m'envoyer de partir avec Padmé contre ça. C'est ça qui est étonnant avec équipes comme ça, c'est que c'est des équipes à la base qu'on va utiliser GTR, qu'on va utiliser les Sœurs de la Nuit. Sauf qu'avoir un Kylo Ren qui est monté Relic 4, ça fait en sorte que ça se peut qu'on se fasse battre à notre propre jeu. GTR oublie ça, à moins que tu aies décidé de monter GTR. Puis il y en a quelques-uns là, qui l'ont monté et elle est vraiment forte, mais tu sais, c'était vraiment le goût de monter GTR pour contrer ça. Mon Dieu, la relique de Kylo Ren est complètement débile. Oui, hein? Mais je comprends pas que la relique de Kylo Ren, ce soit le masque de Darth Vader fondu. Peut-être parce que Kylo Ren sans masque, c'est le sabre laser, ça doit être ça. Ah, ok, c'est ça. Parce que lui, il a le sabre laser avec les deux petites coches. Ouais. Mais ouais, ça m'amenait à justement, tu sais, comme Dro qui nous a envoyé des beaux clips. T'sais, si vous écoutez le podcast puis vous aimez ça, puis vous avez investi sur des équipes qui sont hors de l'ordinaire. T'sais, si vous, mettons, comme Harley, vous vous dites, moi, c'est les First Order, ou c'est les Premier Order, ou c'est les chasseurs de primes que je veux monter Gear 13 avec des reliques, ben faites-nous des vidéos. Ouais. Ça va nous faire plaisir là, de montrer aux gens, puis de montrer qu'est-ce que vous battez avec ça, puis pouvoir informer les gens sur si c'est peut-être un investissement parce que.
Harley, présentement, il y en a peut-être qui le trouvent fou d'avoir monté tout ça, autant Sœur de les la nuit. premiers ordres, puis ses Ah, sœurs de la nuit. je vais voir ses sœurs de la Mais nuit. quand le prochain film va sortir, ses premiers ordres risquent d'être très, très, très utiles, oh mon Dieu. Harley, you crazy! J'espère qu'il va nous écouter juste pour qu'il voit le shout-out à son roster de Sœurs de la Nuit, ça n'a aucun bon sens. Ça doit être. D'après ce qu'on vient de penser, va voir Assage. Va voir On va Daka aller puis voir Assage. Daga, sa Je veux voir santé. la. Ouais. Ça valait qu'il est cool aussi à Daka. 129 000, ouais. Chaque fois que quelqu'un meurt, il gagne 10%, c'est ça? Oui. Son unique, oui. Oui. 10% de santé Oh maximale cumulative jusqu'à la fin de l'affrontement, toutes les non. fois que quelqu'un meurt. Voyons donc. Ah, elle peut facilement monter à 1 million de vies. Oui, effectivement. Puis 23, ça ressemble à quoi? Ah oui, son attaque, son offense, les deux, parce qu'elle en fait les deux, 6 000. Aïe, Hey, aïe, c'est le 6 000, double de la mienne. c'est beaucoup, là, C'est le double considérant de la qu'elle mienne. ça va monter sans cesse, elle aussi, Monte-là, là. va voir le spécial aussi, parce qu'elle fait du spécial aussi à ça. C'est vrai. Dis-moi Pratiquement 7 000. 7 000. 7 000. C'est-à-dire que son AOE, ça c'est l'AOE. Là où elle va faire l'attaque spéciale, puis Oui, puis les son dégâts attaque réguliers, c'est son de. attaque de base. C'est ça. Fait que c'est fou. Puis ça va monter sans arrêt. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment. Ben les Sœurs de la Nuit, on le savait un peu. La vieille Daka, c'est pas une surprise. C'est quand même un. Pour les Hey, savez-vous JOTB, quoi? j'aimerais ça voir son équipe dans les Je JOTB. monte ma sage. Je monte ma sage. Cette semaine, je monte ma sage relique. 5 au moins, puis je vais essayer de faire un raid, la phase 3 avec, parce que de Stacy, tu sais, je n'ai pas filmé, ça fait longtemps, là, mais j'ai fait facilement le 100%. Là. Je réussis à commencer au début de la phase, puis à sage, à la fin, elle frappe pour 500 K à chaque coup. Fait que j'imagine que si lui a presque le double d'attaque que moi, vu que c'est exponentiel en plus, ben, pas exponentiel, mais je veux dire, le bonus est encore plus grand à chaque fois. Tu peux facilement te rendre à 1 million à chaque coup, là. Toi, tu dis en Puis plus tu as que le temps. tu réussis à partir la machine dans la phase 3 avant même l'isolation de Treya, c'est quand même. Ben oui, 2 tours avant l'isolation de Moi, j'en Treya. vois tout le temps mon Il Boba Fett avant. faut. Oui. Mais c'est ça qu'il faut. Il faut que le personnage que tu envoies se fasse tuer. On ne l'avait pas parlé, ça, c'est un petit aparté, là, mais il faut absolument que, parce que tu envoies un personnage avant, dans la phase 3, il faut absolument qu'il se fasse tuer par l'isolate. S'il encaise l'isolation, puis qu'il y a une autre attaque après, tu viens de perdre un tour pour ton autre d'affaires d'après, puis là, tu es perdu parce que tu ne peux pas vraiment revenir en arrière. C'est pour ça qu'il faut que le Une affaire personnage que tu. avec le Sith Raid, avec l'arrivée Ouais. des reliques, ça change complètement le Ah, tableau ben. du Heroic Sith Raid. En fait, le top 10 change Oui. parce que c'est des gens qui n'avaient pas. On n'a pas accès, là. Mais c'est des gens, par exemple, je pense à Patroa qui a monté beaucoup son Grandmaster Yoda, puis qui se retrouve tout d'un coup à faire 20 millions en phase 2 avec Oui. son équipe qui autrefois faisait peut-être 8-10 millions à la place. Ouais. Fait que ça change complètement le visage du Heroic Sith Raid, qui en fait est l'endroit pour farmer tous les bons gear 12 plus. Fait que J'ai c'est ben t'es accessible à plus de gens maintenant, mais ceux qui faisaient le top 10 avant doivent donner une petite coche de plus. ben pour vous donner une idée, moi j'ai juste lui, tu sais, Patoroy a monté son équipe au complet. Ils sont tous Gear 13 puis relique de quelques niveaux. Mais moi, la mienne, j'ai juste Grandmaster Yoda qui est Gear 13. Je ne l'avais pas avant. Je l'ai mis juste pour les reliques, justement, parce que son Gear 13 était vraiment pas bon. Mais avec des reliques, il est relique 3, comme je disais. Puis mon dommage est passé. Je faisais rarement plus que 9,5 millions, mettons, en phase 2. 9 la plupart du temps, là, quand je me force pas. Puis j'ai fait 13,5 millions. Juste avec mon Grandmaster Yoda qui a monté de 3 reliques. Ça m'a fait faire, tu sais, c'est plus que 30% de dommages de plus. C'est quasiment que 50% de dommages de plus. Ouais. Colin, C'est quand même. fou, Ça serait bien peut-être là. dans un épisode futur de juste ramener ça, le Sith Raid dans le sujet, puis de peut-être faire un Ouais. Voir à quel point c'est rendu récapitulatif de facile avec les reliques. exactement. Tu sais, les équipes que nous, Ouais. dans l'épisode, notre épisode 3, c'est les Sœurs de la Nuit en phase 3, puis c'est vraiment pas la même équipe que dans l'épisode 26 de Tricherie. Là, on s'entend, fait que ça a beaucoup évolué, puis avec les reliques, c'est encore.
C'est encore pire, là. Donc, il y a des Tu sais équipes. ce que j'ai hâte de faire? De faire un podcast sur le nouveau raid qui va peut-être arriver un jour. Ça serait le fun. SCG. Imagine comment il va être difficile. Parce que là, imaginez comment les personnages, depuis, mettons, 2 mois et demi, 3 mois, Incroyable. sont devenus plus puissants. C'est le double, là, même le triple là, de ce qu'on avait Gear 12 là, pour certains personnages. Imaginez la difficulté, le niveau de difficulté d'un prochain éventuel raid s'il y en a un jour, là. Ça... Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas. Qu'il n'y en aura pas. Ben, Je ne sais pas que je veux être pessimiste, mais j'ai l'impression que vers ce qui s'en vont, ils vont faire d'autres affaires, d'autres changements, mais je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un nouveau raid un jour. CG a annoncé qu'il travaillait déjà sur d'autres contenus autres que les des TB pour le Ouais, PVE. c'est Donc quoi? moi je pense que oui, ça pourrait venir, mais d'après moi ça va être après le film parce que là ils viennent de faire quand même un bon coup d'argent Ouais. avec les reliques. Les Mmh. whales Ouais. ont whalé pas à peu près, puis c'est pas À fini. fond. Mais il y a une partie là, qui manque là. On n'a pas encore eu les personnages qui manquaient de Last Supposé Jedi. Puis nouveau il va personnage avoir. qui est supposé de s'en venir, on l'attend toujours. Ouais, puis c'est ça, le fameux personnage avec un événement à la style Malak. On n'a encore jamais rien vu de ça. Donc Non. moi je suis confiant pour le futur du jeu, comme quoi qu'il va y avoir d'autres bons contenus. Mais tu sais, ils ont aussi. Il y a beaucoup de développeurs qui sont plus avec CG ou qui sont plus dans la division Star Wars Galaxy of Heroes parce que CG est en train de travailler sur un autre projet. Sur un nouveau. Et puis, on sait pas c'est quoi, on sait pas non plus si c'est en rapport avec Star Wars, mais je pense comme peut-être un peu plus que 50% de tous les développeurs qui étaient avec Star Wars Galaxy of Heroes qui sont rendus sur ce nouveau jeu-là en développement. Donc, c'est pour ça aussi, des fois, que ça prend plus de temps. Puis, tu sais, aussi, c'est correct dans un sens parce que. Va falloir m'amener qu'on rattrape l'augmentation, là, t'sais, toutes les reliques, d'après moi, les nouveaux modules arriveront pas tout de suite, quoi qu'on ait vu des exemples dans les vidéos de CG, mais d'après moi, on va une petite accalmie, là, une petite pause, question de rattraper le tout. Puis s'il y a de quoi qui va sortir, ça risque d'être possiblement avec un nouveau raid, là, t'sais, comme les nouvelles habilités, d'après moi, vont sortir avec le nouveau raid. Ou le nouveau contenu PVE et non avec les JOTB, là, parce que ça ferait pas de sens d'amener tout de suite les nouvelles habilités en jeu. Ouais, non, je pense pas non plus. On va finir l'épisode, les amis, Mais, hey, avec. moi, Ouais, juste, vas-y. je dirais juste, il y a deux personnages qu'on n'a pas parlé pour les reliques, je pense, en tout cas, un au moins, là. Vas-y. R2-D2, on n'a pas parlé, dit rapidement, parce qu'il donne, tous les personnages qu'il donne, comme on a parlé de Five aussi, à cause de ça, parce qu'il donne ses statistiques quand il meurt, quand il s'est aux autres, mais R2-D2 donne un pourcentage. Fait qu'imaginez, un R2-D2 relique 7 qui donne 10% de toutes ses stats à tout le monde. Ça peut être intéressant. Fait que c'était juste un Absolument, petit là, c'est. aparté parce qu'on a oublié d'en parler parce qu'on disait que les soutiens en bénéficiaient pas tant que ça. Mais ça, c'est probablement le soutien qui en bénéficie le plus avec Grandmaster Yoda, mais lui particulièrement. Ah, oh ouais, Ouais. absolument, c'est vraiment un bon point que tu apportes le 10% de statistiques qui distribue à tout le Qui monde. donne à tout le C'est monde. d'attaque. Attends, 10% de sa protection Puis maximale pour pour avec. chaque allié droïde, 10% d'attaque pour chaque allié de la République. 10% de sa santé maximale pour chaque allié rebelle. Donc, si vous le mettez dans une équipe de Grievous, mettons, vous allez booster la Il protection pas à attaque. peu près. Ouais. Puis, ce qui est vraiment bien, c'est que si vous mettez en plus B1 dans cette équipe-là, B1 régénère la protection en plus au fond. Donc, plus de protection à régénérer pour B1, plus de protection en général. Votre équipe elle survit encore plus aux attaques de l'équipe adverse. Donc, votre Grievous C'est va être ça. capable de toffer plus longtemps, donc en faire encore Ben, plus mal. n'importe quelle équipe, en fait, avec laquelle tu le mets, avec une de ces quatre, comme un de ces Faction quatre là. matchs, là, tu sais. C'est parfait. C'est génial avec eux. C'est pour ça. Ça fait que c'est encore une fois un personnage qui va être bénéficiaire, qui va faire bénéficier tout le monde, partout avec qui il est. Fait que Puis son c'est. improvisation amène un Ouais. affaiblissement aussi là, avec la Oui. brûlure. Puis l'autre Exact. personnage, t'en avais un autre aussi qu'on n'avait pas. Ben, en général, les healers qui bénéficient d'un pourcentage de santé, qui donnent des. Comme, D'accord. mettons. Baris, Daka, Jody, plus ils ont de vie, plus ils vont healer. Donc, c'est des save bets aussi pour le PVE, mais aussi, imaginez un Jody qui est presque intuable puis qui revit sans cesse le reste de l'équipe.
ça peut être surprenant, là. T'sais, d'habitude, on le sait que, mettons, tu envoies ton Jedi Knight Revan contre l'autre en Grand Arena, tu as des bonnes chances de gagner. C'est vice-versa. T'sais, tu gagnes, il gagne. C'était ça, là, Jedi Knight Revan. Mais là, avec un Jolly, 5 ou 6 de reliques, tu peux faire jouer un méchant tour, moi, je pense. C'est un très bon point que tu amènes, puis aussi qu'on a tendance à Puis oublier ça. qu'on parle des Son reliques. crit avoid. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y. Ben, en fait, puis une de ses caractéristiques, il me semble, je ne suis pas sûr d'avoir vu ça parce que je regardais un peu avant le podcast, puis il me semble qu'il y a des statistiques parce que, tu sais, à la fin, là, il y a comme 3 statistiques qui augmentent, ce n'est pas les mêmes pour tous les personnages. Puis lui, il bénéficie vraiment, il devient encore plus difficile à tuer, là. C'est incroyable. Fait que Jolly Bindo, c'est aussi quelqu'un qui aime cette équipe-là, là. C'est pas un gaspillage, à mon avis. Je suis convaincu qu'ils ne regretteront pas de le monter. Non, vraiment pas. Puis c'est aussi ça que je voulais amener comme point, c'est qu'on pense souvent à l'attaque puis à la santé quand on monte les reliques, mais l'armure monte aussi beaucoup. Puis Jolly, c'est un personnage qui a une armure très élevée avec une défense très élevée. C'est ce qui fait une particularité de Oui. son kit aussi. Fait que plus Ouais, c'est d'armure vous comme y un tank, lui, là. mettez, c'est ça exactement. Il est encore vraiment plus difficile à tuer. Je voulais juste qu'on finisse l'émission avec mes questions surprises. J'ai le goût de faire des petits quiz. À passer le temps. Connais-tu ton Star Wars Galaxy of Heroes? My Puis God. faire des petites questions comme ça, bien comiques, là. Ces questions-là sont vraiment pas dures. Je voulais juste essayer voir ce que ça donne. Puis. On les Les sait pas connaît en passant, on pas, connaît pas les réponses, on se connaît, on non. sait pas les questions. C'est Il a pas très voulu nous les fa. dire. Non, je voulais pas vous les montrer les questions, mais c'est vraiment pas compliqué, là. Puis Très fort, tes podcasts. c'est pas pour mettre personne. Mal à l'aise ou de faire passer quelqu'un pour un pas bon, là. C'est vraiment des questions. Hein. Fait qu'allons-y avec la question C'est pas numéro 1, grave. les quiz EDQ. Combien y Oh a-t-il mon de Dieu. personnages dans Star Wars Galaxy of Heroes? Oh my God. Vous avez quatre choix de 152? Non, réponse pas ici. 152. 168 A, Ouais, 171 B, 152. 175 C, 176 D. Je dirais D, moi. Je dirais B. B. C'est 1 minute, faut attendre. J'ai mis 1 minute de temps là, puis ils vont un petit bip Oh bip. mon Dieu. Bon, Ah ouais. ben, aidez-nous dans le chat. T'as que toi, ça blanche qui 175, dit Magnus. 171. Magnus dit 175, moi je dis Magnus, 176. 175. Superbe, 176. On a-tu quelqu'un pour le 168? Une fois? Pas Deux fois? trouvé. Deux fois, non. Toi? Ben moi, je connais la Ah, tu connais la réponse. réponse. Vu Fait que que ça Magnus serait. ne l'a Moi? pas. Moi, je sais pas. L'aurais-tu? Toutes ces réponses, j'aime ça. C'est en date d'aujourd'hui, là, faut pas oublier. Là, Ouais. c'est sûr que cette Ouais. question-là, oh, ça s'en vient. 3, 2, Ah, c'est long. 1, et puis la réponse, 176. Crap. Superbe! 1! Yeah! C'est quoi ces questions-là? Hey, c'est des questions plaisantes. J'aime les statistiques, puis je vais voir le roster à nos joueurs. Puis un de ceux-là qui est en haut, c'est Kavgar. Puis vu que c'est mon ami de podcast, ben, j'ai pas le choix de voir un peu ce qu'il fait. Puis il me semble qu'il y a 176 personnages. Fait que... C'est ça, Seigneur. Allons-y. Bon, la deuxième. Question numéro 2. Je suis très Ça, c'est compétitive. une petite question. Ce personnage qui n'est pas encore dans le jeu, haut placé au sein de son organisation, son but premier est de faire régner l'ordre. Qui suis-je? On n'a pas le choix de réponse. Non, pas de choix de réponse. Un personnage qui n'est pas Est-ce encore que dans le vous jeu, c'est un haut placé au sein de son organisation et son but premier est de faire régner l'ordre. C'est Qui quelqu'un qui peut suis-je? nous aider dans le chat? Vous n'avez même pas une bonne idée. Il n'y a pas tant de personnages qui sont plus dans ce jeu-là. Qui sont pas dans le jeu. Mais à frette, C'est un vieux là. personnage. Non, ce n'est pas un vieux personnage. Hey, je ne le sais même pas. C'est pas un vieux personnage. T'as pas dit que c'était des questions faciles? Oh, Ben, mais c'est c'est sûr pas qu'on des va faire. questions. Le Ah! personnage n'est pas dans le jeu, donc Ben oui. vous pouvez pas vous tromper, hein. T'as pas l'air Ben, c'est vrai. fanfare Ben, dans le chat non plus. Oh, ça Pourtant, s'en vient. Deux. je connais quand même mon Lord de Star Wars. General Hux. En plus, Oh, ouais. il y avait Ah, un voilà. petit. Hey, j'ai même mis son but premier est de Ça me faire surprend pas que ce régner soit l'ordre. lui. Ouais, Son but ben. premier, Zéro ordre. en deux.
Ouais, mais moi personnellement, je peux pas dire que c'est un personnage que j'ai trouvé marquant, tu sais. Non, mais il est quand même haut placé, c'est le général. Il est juste en dessous de Kylo Ren. Ouais. Il va falloir Ouais, t'en mais faire des j'ai. questions de même. Ouais. Mais c'est parce que c'est sûr qu'il va arriver dans le jeu. Moi, je suis persuadé qu'il va être dans le jeu dans un avenir rapproché. Pense. Pourquoi pas? C'est sûr qu'on va avoir d'autres personnages du premier ordre. Il en manque, premièrement. Puis ça me surprendrait énormément que CG fasse encore une copie de Rey pour un événement. Donc, J'aime bien la je sais pas. remarque C'est de vrai. Siafou. Qui veut que je fasse mes Tu events au lieu de faire as des plus de quiz? chances de réussir que ton quiz. Non, mais si les gens ont le goût de faire des questions là, super piégées comme 8 Oui, c'est le personnages mettent le fun. target lock. Quels sont-ils? Non, mettons 8 personnages mettent le Ah target ouais. lock. Ah Deux de ouais. ces personnages ont telle et telle statistique. Qui suis-je? C'est bon En tout cas, ça. moi j'aime ça faire Écoute, des écoute quiz mon comme chat. ça, donc je vais sûrement continuer d'en faire, mais je vais trouver des questions. Écoutez, j'ai fait ça 1 heure avant le podcast, ces questions-là. J'ai pris des questions vraiment. Ah, c'est cool. Mais avec un peu plus de préparation, ça pourrait donner de quoi de vraiment bon. Et Ben voilà, on oui, ben a c'était cool. explosé notre temps pour aujourd'hui de 4 minutes. Merci à tout le monde C'est d'avoir été rare. là ce soir. C'est rare qu'on saute la cagnotte comme ça, mais ce soir, c'est un épisode spécial avec les quiz. Donc, super vaisseau blanche, merci d'avoir été là encore une fois. Merci à tout le monde qui était là dans le chat. Merci. Bonne semaine à tous et on se revoit sûrement la semaine prochaine. Bye! Bye. Bye.